Vous désirez, monsieur ? Jacqueron, reporter à l'Écho de Lançon. C'est possible. Ça ne nous autorise pas à entrer dans le bureau du docteur Laurent comme dans un moulin. J'ai frappé, on m'a pas répondu. Vous désirez ? Des détails sur l'explosion dont a été victime à l'usine Bolivant, l'ingénieur Bernard Talon que vous soignez ici. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ah, vous n'êtes pas au courant. C'est pourtant bien sa fiche d'admission que vous tenez à la main, non ? Et en quoi ça vous regarde ? Oh, vous n'êtes pas très gentil avec le petit Jacques, hein ? Pourtant, vous êtes une très charmante infirmière. Vous n'êtes pas un cerbère. Oui, bien sûr, je vais aussi m'y prendre. Aussi, je vais aller vous chercher des fleurs. Fini ça, le pis. Elle a souri, elle va parler. Bon, je ne peux pas vous dire grand-chose. Le docteur a opéré hier soir. L'état de santé du malade est un peu plus satisfaisant, mais les visites ne sont pas encore permises. Oui, ben, communiqué officiel, j'en tirerai pas 20 lignes. Ça ne vaut pas plus. Or, vous croyez ? Oui, vous jouez l'infirmière modèle qui entend tout et ne dit rien. Ouais. Eh bien, moi, je sais des choses. Oh, les journalistes en savent toujours plus que les autres. Oh, oh. Est-ce qu'ils ne savent pas ? Ils l'inventent. Malheur, elle me prend pour un de ces journalistes qui passent leur temps à fouiller les corbeilles à papier et à boire du scotch. Je vous prends surtout pour un importun, monsieur. Vous devriez comprendre que vous êtes en train de me faire perdre mon temps. Mais vous n'êtes pas curieuse. Non. Je vous ai dit que je savais des choses. Et lesquelles ? Eh bien, par exemple, que Bernard Talon est, ou plutôt était, ingénieur chez Gautier. Et alors ? Et alors ? Oh, vous en avez de bonnes. L'ingénieur de Gautier se fait démolir chez Bolivant sans concurrent direct, et ça vous suffit pas ? Mais qu'est-ce qu'il vous faut alors ? La série noire ? Il y a une affaire là-dessous, c'est sûr. Vous n'avez pas publié ça tout de même ? Ah, j'aurais donc vu juste. Oh, écoutez, je n'en sais rien. Vous devriez comprendre que nous avons perdu assez de temps. Non, vous fâchez pas. Non, je voulais simplement vous demander un petit service, quoi. Par exemple, questionner discrètement la victime et après me téléphoner au journal. En voilà assez, Rouletabille. Vous me fatiguez. Et je vous préviens, si vous remettez les pieds dans ce bureau, je vous en ferai voir, moi, du sensationnel. Rouletabille. Je cède à la violence, mais c'est une atteinte caractérisée à la liberté de la presse, mademoiselle. Comment va-t-il ? Il ne va pas tarder à se réveiller. Il s'agite depuis un moment. Oh, tu ne tiens pas debout. Tu devrais aller prendre un café. Volontiers. J'ai repris le service à 6h ce matin et Marie-Berthe ne revient que ce soir. Tu aurais pu me prévenir. Tu n'as pas besoin de venir dimanche. Le docteur Laurent n'a pas eu besoin de moi hier matin. Et aujourd'hui ? Allez, prends ton temps. Merci, Jeanne. Jeannick. Chut. Plus tard. N'aie aucune crainte. On t'a soigné. Jeannick. Jeannick, tu es là. J'ai le dossier. Il s'est réveillé et rendormi aussitôt.
Entrez. Assieds-toi, parrain. Bonjour. Je suis venu dès que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Bernard? Bernard est ici? Le blessé d'hier, c'était lui. Bernard blessé chez Molivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Tu l'as vu? Tu lui as parlé? Il s'est réveillé un instant, il m'a reconnu. Il a bredouillé quelque chose à propos d'un dossier. Un dossier? Je ne sais que penser. Mais maintenant que Bernard est ici, nous allons pouvoir découvrir la vérité. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de dossier? Il a dit simplement, j'ai le dossier. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je n'ai rien voulu dire hier soir devant papa et maman, surtout après ce qui s'était passé. J'aimerais autant que vous recommenciez pas votre petit conseil de famille. Maintenant que Bernard est retrouvé, tout est changé. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au courant? Je crois qu'il vaudrait mieux ne pas donner trop de publicité à cet événement. La journaliste est venue tout à l'heure. Il était au courant, je l'ai renvoyé. Mais on pourra pas cacher cela longtemps à tout le monde. Est-ce qu'on s'est inquiété de Bernard chez les Molivant? C'est ce qui me paraît le plus curieux. Parce que depuis qu'on a téléphoné de l'usine pour me demander d'urgence une ambulance, personne ne s'est manifesté de ce côté-là. Et sauf la gouvernante des Molivant qui m'a téléphoné dans la soirée pour me demander des nouvelles du blessé. Madame Mathilde? Oui. Vous êtes allée le voir? Il n'est pas encore en état de parler. Allô? Oui? C'est bon, passez-la moi. Voulez-vous répondre, monsieur? Allô? Oui, bien sûr. Bonjour, mademoiselle. Non, non, il va bien. Alors, rien à craindre, je le garderai encore en observation quelques jours. Oui, je comprends. Non, je vous prie de ne pas insister. Je ne puis permettre la moindre visite. Oui, seul le personnel de la clinique est autorisé à s'approcher de M. Talon. Oui, c'est cela. Au revoir, mademoiselle. Eh bien, monsieur, pourquoi dites-vous rien? Il y a rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Calice Molivant demande des nouvelles de l'ingénieur de son père. Je n'en peux plus. Je viens de monter l'escalier à toute vitesse. Mais qu'est-ce qui se passe, Belugette? La maison est en train de brûler? Oh non! Non, mais je viens d'apprendre une nouvelle qui vous intéressera sûrement. Votre ami Bernard Talon est blessé. Il est à Lançon, à la clinique du docteur Laurent. Sans blague. Asseyez-vous et racontez-moi votre histoire. Il y a eu une explosion hier au laboratoire Molivant. Un ingénieur a été blessé. Cet ingénieur, c'est Monsieur Talon. Tiens, tiens. Vous avez pas l'air de vous surprendre? Pas tellement, non. Dajou a du flair. Alors, si je comprends bien, en quelque sorte, mon ami Bernard est dans la clinique où travaille sa fiancée. Oui, et puis tout le monde en parle dans le pays. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire chez les Molivant? Alors ça, c'est ce que Dajou avait compris le premier. Mais Luguette, mon roman avance. Oui, vous ne voyez pas le rapport, mais ça ne fait rien. Eh bien, croyez-moi, je ne regrette plus du tout d'être handicapé par cette patte folle. Après ce coup de théâtre inattendu, les événements vont marcher comme sur des roulettes. Et j'ai plus qu'à attendre ici. Mais Luguette, tout va bien. Embrassez-moi. Oh, monsieur Dajou. Ah, Belugette, embrassez-moi, vous dis-je. Cette heure nous appartient. Tu vois où nous mènent tes caprices? Demain, tout le monde sera au courant. Je tiendrai tête à tout le monde. Oui, mais ça va faire un beau scandale. Tu préférerais qu'il soit mort, il ne pourrait rien dire. Ma foi... Oh, tu es ignoble, ignoble. Je me moque de tes affaires.
Ta réputation, la mienne, ça m'est égal. Je veux Bernard. Je veux le reprendre à cette Jannick. Mais il est à moi, à moi. Mais calme-toi, Alice, voyons, calme-toi. Mathilde! Calme-toi, mon petit. Mathilde, venez, je vous prie. Vous l'avez encore contrarié. Je ne l'ai pas contrarié. Allez-vous-en. Allons, ce n'est rien. Rien n'est perdu. Nous te le ramènerons, ton Bernard. Je ne peux pas vivre sans lui. Oh, on n'est pas contre vous. Mais si. Oh non. Oh non. Oh. Maman, qu'est-ce que tu as? Oh, demande ce que j'ai. Que faisait l'ingénieur des laboratoires Gautier aux usines Molivan? Explosion révélatrice, fusion entre les deux firmes. J'aurais dû m'en douter. C'est un coup de Rouletabille. Rouletabille? Oui, tiens. Regarde la signature. Jacron. C'est lui. Tu connais ce gars-là? Il est venu à l'hôpital pour voir s'il n'y avait pas un petit scandale à dénicher. Alors, tu étais au courant? Oui. Mais ce n'est pas la peine de t'occuper de ce que raconte ce journal. Non, mais c'est affreux. Nous allons être la risée de tout le pays. Bernard qui disparaît le soir de ses fiançailles et qu'on retrouve blessé chez les Molivan. Et vous le saviez? Vous ne m'avez rien dit. C'est gentil. Mais je l'ignorais complètement. Et moi aussi. Moi, je ne l'ai su que quand on l'a transporté à l'hôpital. Bon, écoute, maman, ne pleure plus. Oh, non. Moi, je le savais. Vous le saviez? Ben oui. Puis un moment, on chuchotait partout qu'il y avait un homme chez les Molivan. Et un nouvel ingénieur, c'était pas difficile à comprendre. Comment cela? Un homme de moins ici, un homme de plus là-bas. Il y avait qu'à raisonner un peu. Qu'est-ce que tu avais compris, Angèle? Mais rien, va, c'est pas mes affaires. Dis-moi ce que tu penses. Qu'il est parti à cause d'Alice. Ah, puis maintenant, laissez-moi tranquille, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Alice? Oh, quelle histoire! Mais c'est affreux, j'en mourrai! Est-ce que j'en suis morte, moi? Oh, Jannick, mon petit. Non, maman, pardonne-moi, mais il s'est passé tellement de choses en si peu de temps, je n'y vois plus clair moi-même. Mais il n'est pas en danger. Mais non, mais non. Bon, eh ben, je vais aller voir Bernard et il m'expliquera. Les visites ne sont pas autorisées, voyons. Ben, tu le vois bien, toi. Mais moi, ce n'est pas la même chose. Jannick, elle va encore partir sans prendre son petit déjeuner. Ouais, Jannick! Ouais, qu'est-ce que vous faites là? Je dormais. Que faire loin de vous si long que l'on ne dorme? Vous êtes venu chercher des compliments pour votre joli travail, peut-être? Mais pas du tout. J'étais venu vous dire une chose très importante. Non, mais écoutez-moi. Vous êtes ici dans le bureau du docteur Laurent. Je sais. Et personne ne vous a prié d'y entrer. Je sais aussi. Non, mais dites-moi, c'est vrai que vous êtes la fiancée de Bernard Talon? Ça ne vous regarde pas. Bon. Mais dites-moi aussi, c'est vrai que vous êtes la nièce de M. Gautier, le patron de Bernard? Oui, alors? Alors, vous êtes la fille du meilleur ami de mon père. Comment ça? Oui, c'est vrai, ils se sont connus en Normandie. Il faut d'ailleurs que je vous rende une visite de politesse. Ça, je vous le conseille pas. Non, votre article a fait un certain effet à la maison. Eh bien, chiche que j'y vais quand même. Écoutez. Faites votre métier et laissez-moi faire le mien. Et votre coiffe? Et si je vous disais que je regrette cet article, vous me croiriez? Non. Hein? Ben, je suis venu m'excuser, mais je pouvais pas deviner. Ça ne vous aurait certainement pas empêché de le faire. Et d'ailleurs, je vous en veux pas. Non, je conçois très bien qu'un petit journaliste en mal de copie essaye de se défendre.
Pardon. Oh, moi, décidément, vous me prenez pour un autre, hein. Et pourtant, Rouletabille avait du cœur. Accepteriez-vous ces modestes fleurs que j'ai cueillies pour vous, hein? Vous les prenez, vous souriez, et on n'y pense plus, hein? Alors, je vais compter. Un, deux, et... Tu crois que c'est nécessaire? Si, je crois, je t'assure. Monsieur? Bonjour, docteur. C'est un journaliste qui voudrait avoir des nouvelles de notre blessé. Oui, oui. Je trouve que la presse s'intéresse un peu trop à l'accident de M. Talon. Ah, que voulez-vous, docteur? En ce moment, nous n'avons ni guerre mondiale, ni tremblement de terre, ni coup d'État, ni mariage royal. Et l'actualité se fait un peu creuse, hein? Je n'ai rien à vous dire, monsieur. Oh, bah, ça fait rien. Je repasserai. François? Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la femme du 12? Il faut intervenir. Si le patron n'y voit pas d'inconvénient, j'aimerais que tu le fasses. Entendu, Pierre. Tu sais bien que si je peux te rendre service, je le ferai volontiers. Allez, ne te tracasse pas. Tiens-moi au courant. Il a eu le toupet de vous offrir la violette. Oh, vous savez, il est un peu fou. Je viens de visiter notre malade. Il va bien, il est parfaitement lucide. Mais je vous demande de ne pas aller le voir. Et pourquoi, s'il vous plaît? Ne vous cabrez pas. Il s'est inquiété de savoir s'il se trouvait bien à l'hôpital où vous travaillez. Et il a dit qu'il préférait ne pas vous voir jusqu'à nouvel ordre. Très bien. Je ne suis pour rien dans cette décision, Yannick. Je m'en doute. Est-ce que je... Non, non. Vous ne pouvez rien faire. Ça fait rien, je suis patiente. J'attendrai. Il a repris connaissance, mais il ne veut pas me voir. Ah, ah. Je pense que tu as lu le journal ce matin. Quoi, ce tissu d'absurdité? Cela m'a fait penser à quelque chose. Bernard avait parlé d'un dossier, n'est-ce pas? Oui, alors? Nous avions accompli ensemble, lui et moi, des travaux ces temps-ci. Ils concernent la découverte d'une matière plastique nouvelle. Ce n'était plus qu'une affaire de mise au point. Tous les détails relatifs à cette découverte ont été enfermés dans un dossier, le dossier G. Il comprenait, entre autres choses, le détail de calculs très complexes. Qu'est-ce que tu crois? Que cela pourrait avoir un rapport avec la présence de Bernard chez Molivant. Tu le penses vraiment? Pourquoi pas? Cette affaire est tellement bizarre par certains côtés. Le soir de tes fiançailles, on a téléphoné à Bernard, n'est-ce pas? Eh bien, Jean pense avoir reconnu la voix de Molivant. Je n'y croyais pas tout d'abord, mais maintenant... Est-ce que le dossier a disparu? Non. Non, il était enfermé à l'usine, dans un classeur dont Bernard et moi avions seul la clé. J'ai vérifié. Il y est toujours. Mais Bernard en connaissait le contenu. Alors, si j'avais pu lui parler seulement 10 minutes. Monsieur Talon ne veut recevoir personne, monsieur. Je suis désolée. Ah bon? Merci, mademoiselle. Eh bien? Je me suis fait conduire. Il va falloir que je m'y prenne autrement pour savoir de quoi il retourne. La situation ne peut pas durer. Il faut que je le voie. Thank you.
Monsieur Bernard Talon a refusé la lettre. Qu'est-ce qui ne va pas, Jeannick? Tenez, lisez-la, au moins quelqu'un l'aura lu. Bernard, je comprends que pour l'instant tu préfères ne pas me voir, mais sache que tu n'as rien à craindre de Dajou. Parrain s'occupe de régler cette affaire, il t'aime beaucoup, tu sais. Jeannick. Eh bien? Je ne l'ai même pas ouverte. Je l'aime et je sais qu'il m'aime. Il a rompu nos fiançailles. Il est parti de chez Parrain uniquement pour fuir Dajou, qui fait du chantage. Mais il n'était pas nécessaire qu'il aille travailler chez Montlivan pour se mettre à l'abri. Quand consentirez-vous à comprendre que Bernard Talon n'est pas digne de vous? Tenez, je vous l'arrange, je n'aurais pas dû la lire. Oh, déchirez-la. Non, Jeannick, pas moi. Au moins 10 coups de téléphone cet après-midi pour me demander d'un petit ton hypocrite. Monsieur Talon va bien? Vous avez dû être inquiète. Ainsi, il est rentré chez Molivant. De quoi devenir folle! Et c'est pas fini. Jeannick, ma chérie, alors, il y a du nouveau? Non, maman, mais il faut pas te préoccuper, ça s'arrangera. Ah, si seulement nous n'avions pas fait ces fiançailles. Faudrait même savoir à quelle heure vous dînez pour le souffler. Ah, mais c'est vrai. Ton père a invité quelqu'un. Ah, qui ça? Un client? Ah ben, ça, je ne sais pas. Mais ça fait plus d'une heure qu'il est en train de bavarder avec lui au salon. Tiens, tu devrais bien y aller voir un peu. Parce que par hasard... Je m'en doutais. Vous vous connaissez, je crois? J'ai cet honneur. Et moi, cet avantage. Monsieur Jacron, le fils de mon vieil ami Armand. Monsieur Oran venait s'excuser pour son article de ce matin. Oui, croyez surtout que si j'avais su, jamais... Vous avez dit loupé. Enfin, oublions le passé. Le fils d'un ami de mon père a droit à toute notre sollicitude. Mais ma chérie, si tu allais nous chercher un peu à boire. Ah, moi je veux bien, mais Angèle s'inquiète déjà pour l'heure du dîner. Oh, Angèle. Alors, jeune homme, vous avez l'intention de faire une carrière de journaliste à Lançon? À vous dire la vérité, j'aurais nettement préféré Paris. Ouais. Mais les débuts sont difficiles, la profession est tellement encombrée que je préfère rester à Lançon, me faire quelques références et après, l'espoir sera à moi. Oui, naturellement. Excusez-moi, je n'ai que du quinquina fait à la maison. Il n'y a plus de whisky. Jean doit en avoir une bouteille dans sa chambre. Oh, surtout pas. D'habitude, je ne bois que de l'eau minérale. Tiens. Oui. Votre santé? Ah, votre santé. Jeannick, ma chérie, je suis content que tu sois rentrée avant de nous mettre à table. Nous avons une petite question à résoudre entre nous. Ah, quoi donc? Oui, voilà. Jacron a une information qu'il ne voudrait pas publier sans ton consentement. Qu'est-ce qu'il a encore découvert? Une information exclusive que je voudrais pouvoir utiliser demain dans ma chronique. Mais ce n'est pas possible!
Qu'est-ce qui vous a dit ça? Je pourrais vous dire que mon esprit de déduction m'a amené à la vérité, mais je ne me prends pas pour Rouletabille. Je suis simplement allée chez Molivant et sa fille m'a accordé une interview. C'est elle qui vous a dit qu'elle épouserait prochainement le jeune et brillant ingénieur de son père. Oui. Ça expliquerait bien des choses. Je suis désolée. Je comprends très bien ce que vous devez ressentir. Oh, vous, du moment que vous avez un scandale à vous mettre sous la dent, bien faites-la paraître, votre information. Faites-le vendre dans votre sale journal. Mais hier, j'aurais pas hésité. Mais maintenant, je pourrais pas. Et puis, je ne publierai pas cette information. Parce qu'Alice Molivant a l'air d'y tenir beaucoup. Vous parlez sérieusement? On ne peut plus sérieusement. Ah, vous oubliez que Rouletabille savait être à l'occasion un chevalier servant. Mais seulement, je vous préviens, mes confrères n'auront pas les mêmes scrupules que moi. Vos confrères? Mais l'Écho de Lançon n'est pas le seul journal de la région. Mais enfin, c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, voilà, j'ai eu une idée. J'ai obtenu des autres qu'ils ne publient l'information que si Bernard Talon la confirme lui-même. Ainsi, on gagnera du temps. Bravo, Rouletabille. Très bien. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Le tire-bouchon. Oh, mais allez donc à table. Je l'aurais apporté avec la viande. Je sais qu'il y a une bouteille de vieux Bourgogne à déboucher. Et puis, j'aime pas que vous tourniez dans ma cuisine. Le voilà. Qui c'est encore, ce nouvel invité? C'est le fils d'un vieil ami d'Henri. Il est charmant et bien élevé. Mais il me plaît pas. Pourquoi? T'as un grand escogriffe? Oui. Il serait plutôt petit. Je m'entends. Dans mon pays, quand on parle de grand escogriffe, on s'occupe pas de la taille des gens. Quelqu'un qui trompe son monde, si vous voulez. Tout sucre et tout miel, comme ça. Mais l'œil est sournois. Oh, vous, dès qu'il y a une nouvelle tête dans la maison, vous vous renfrognez tout de suite. Eh bien, moi, je trouve qu'il a de très beaux yeux. Et pour la descendance, ça compte, non? Et puis, c'est un futur grand journaliste. Un journaliste? Eh bien, manquerait plus que ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre les journalistes? Tous des menteurs. Oh, ma pauvre Angèle, ce que vous me fatiguez avec vos préjugés. Préjugés ou non, sa tête ne me revient pas. C'est mon droit, non? Je sais bien que j'ai pas à me mêler de ça, d'accord? Je suis payée pour faire mon service et pas pour donner mon avis. Rassurez-vous, je veux pas lui renverser de la sauce dans le cou. Mais je trouve que c'est tout de même dommage d'avoir sacrifié pour lui une bouteille du vieux Bourgogne de votre papa. Il ne reste plus beaucoup. C'est vrai? Pauvre papa, il est maintenant sa cave, vous vous rappelez? Et vous verrez ce que je vous dis. Je vous donne pas 15 jours à votre journaliste, là, pour qu'il se mette à tourner autour de Yannick. C'est pas du tout le genre d'homme qu'il lui faut. Vous devriez surveiller ça. Pardon, mademoiselle, le service du docteur Laurent, s'il vous plaît. Au premier étage, troisième porte à droite. Merci. Entrez. Je m'attendais à vous voir plus tôt. Excusez-moi, j'ai eu un petit accident au service commandé. Je sais. Ne restez pas debout. Vous voulez sans doute voir votre ami. Je regrette de devoir vous apprendre que le docteur n'a pas encore permis les visites. C'est vous que j'avais envie de voir. Tiens, tiens. Oh, je sais bien que vous ne me portez pas dans votre cœur. En apparence, et je dis bien en apparence, c'est moi qui ai tout déclenché. Et sans ce stupide accident, ce n'est pas par les journaux que vous auriez appris la présence de Bernard chez les Molivants. Comment cela? Vous m'avez bien demandé de le retrouver, n'est-ce pas? Monsieur Dajou, en allant vous trouver l'autre soir, je me suis conduite d'une façon stupide. Ben voyons. Maintenant qu'on a récupéré votre Bernard, on a honte de s'être commis avec Dajou. Oh. Non, non, non. Je ne veux pas de votre argent. Vous ne me devez rien. Seulement, il y a une chose que je veux que vous sachiez. J'avais découvert que Bernard se cachait chez les Molivants et je crois savoir pourquoi. Ah, et pourquoi, s'il vous plaît? Vous avez une rivale, mademoiselle. Et vous ne tarderez pas à la prendre.
C'est Alice Molivant qui vous a pris votre fiancée. Je ne vous permets pas de vous. Ça me fait mal au ventre, croyez-moi. De voir qu'il est encore plus à l'égo que je ne le pensais. En tout cas, je peux vous rassurer. La famille Gauthier n'a plus rien à craindre de moi. J'ai changé d'idée. Bernard ne pourra pas toujours rester enfermé dans sa chambre à l'hôpital. Sur ce, je vous salue. Et je me permets de vous donner un bon conseil. Laissez-le tomber. Il ne mérite pas une seconde que vous gâchiez votre vie pour lui.